classe des mystères. Bienvenue à l'ONG, c'est ma vie. Nous sommes toujours ravis de vous avoir si chaleureux à nous suivre dans votre maison, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Nous remercions aussi particulièrement ceux-là qui discutent avec nous sur WhatsApp. La dernière fois, dans la classe des mystères, nous avions parlé de la dimension physique de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension mentale de l'homme. Et la dimension mentale de l'homme correspond en fait à la pensée. C'est aussi la raison et l'intelligence. Cette dimension est divisée en deux parties. Il y a le corps du raisonnement ou le bas mental qui est le siège de la joie de vivre et de la sensibilité. Il est en relation avec l'inconscient. La deuxième partie, c'est le corps intuitif ou le raw mental qui est le siège de la raison et de l'intelligence, mais aussi de l'intuition et de l'inspiration. Lorsqu'il est en relation avec le corps spirituel, c'est dans le gros mental que se développe la notion du bien, du juste et du vrai. Le corps mental enveloppe l'ensemble du corps astral. C'est par là que peuvent agir les mauvaises pensées, les états de stress, les angoisses, les peurs qui surchargent le corps mental. Nous voici à la fin de cette classe des mystères où nous venons de parler de la dimension mentale de l'homme. Et cela voudra dire que dans la prochaine classe des mystères, nous allons tomber sur la dimension énergétique, autrement dit la dimension spirituelle, et c'est là que les bonnes choses vont réellement commencer. Nous avions parlé de la dimension physique. Nous venons de parler de la dimension mentale et l'initiation à l'art de la spiritualité commencera réellement à partir de la prochaine classe des mystères. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook. Nous attendons vos commentaires pour mieux faire, afin de mieux vous satisfaire. Merci et à la prochaine.